Et bonjour à tous et à toutes pour la rediffusion du deuxième stream sur ce parfait jeu qu'est Resident Evil 6. Ça va être le fun. Ah! Pourquoi j'ai pas ton message sur le chat. What? J'ai eu le message beaucoup plus... J'ai eu ton message beaucoup plus rapidement sur le stream que sur le chat Twitch. Ah ouais, de ouf. J'ai les messages avant... Énorme. Putain, mes cheveux, faut que je fasse un truc, là, c'est horrible. Non, j'aime pas ton bot. I'm gonna make him pay. Looks like things just went from bad to worse. Ah oui, d'un coup, les messages viennent d'apparaître là. Mais ok. Bon, je suis très bien stuffé. Hein. Ah, c'est bon, ça a l'air d'être stabilisé. Ok. Roger. Je m'appelle pas Roger, je m'appelle Leon. Ah oui, c'est bon. Le chat a l'air de... You and I are in the same boat now. I'd say that officially makes us partners. Like it or not. Fine, fine. As long as you help me get to Simmons. Does all this belong to Simmons? Well, with that lab of his sitting right on top of us, I'm gonna go out on a limb and say yes. So this Ada, can we trust her? That's... Ah, mais c'est quand je vise, ok. Wow. Quoi? Oh, that's charming. Alors ah oui, si c'est vrai, la touche qui dise marche, mais le temps de réaction est beaucoup plus lent que la... la alors par contre, je peux pas être décapité, hein, c'était pas hauteur de tête. Hein. Mais la perspective était vraiment un peu foireuse. Je suis mort au premier piège. Mais la... Ah putain, mais attends... Ah si, d'accord, ok, c'est juste la lumière en fait. Ouh. Oui. Could have said a prayer or two while we were still up in the cathedral. Why is it the dead can't ever stay dead? Après, je suis en train de me dire... J'ai juste à attendre, en fait, voilà. Oh! That's a smart boy.
pardon. Eh. Non. Well, we're not going that way. Unless you like playing with fire. Ah, mais il y a une échelle là. We'll find another way. Eh oh! Ryan started a fire! Oh! Tu me follais pas? En plus, c'est le plus mauvais jeu de la série, quoi. Tu viens pour le pire. Quoi, tu vas canner? T'as le Covid? Ah oui, donc ça sert à rien ce que je suis en train de faire, d'accord. Ah bah si, parce que là, elle va tenter de faire un truc... There's writing on this door. Set forth evidence of kith and kin. Kith and kin. Bien sûr. Family tree? I didn't bring any evidence, did you? Nope, not related. You think they left any lying around? Wait a minute. The ring Ada gave me. A ring? When did she give you a ring? Quand on s'est épousé. Bingo. Thanks for the gift, Ada. Ada, ouais. Elle nous aide à tuer la sœur d'Elena. Oh bah dis, ça tombe bien ça. Le temps d'émission est pas ouf, hein, mais... J'espère qu'elle s'en sort, hein. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Ouais, un zombie là, meuf. Ah non, d'accord. Ok, j'ai rien dit. En plus, c'était un Crimson Head. Quoi? Mais non, mais connard! Bon, ça aussi, connard, lâche-moi. Mais t'es sub? Ou t'as utilisé les points... Mais... Oh, et, eh, oh, et, eh, et, eh, et eh. En fait, on attend quoi? Mais merde! Quel jeu de chiasse! Bon allez, amuse-toi bien, moi je vais cramer tout ça. Oh, c'est gentil. Oh bon, d'accord, on se casse. C'est qui ça? Ouais. Moi je peux pas faire la liste de tous les émoticônes que j'ai, les gars. On n'est pas rendu si je fais ça. Je suis abonné genre à 7 ou 8 chaînes qui ont genre 40 émoticônes chacune. C'est un gros poisson. Just once I'd like to find a place flooded with warm water, you know? S'appelle la piscine, quoi. Ces enfants, ils font pipi dedans. Du coup, elle est tiède.
Elena, take the high road. Oh non, mais ça va être encore moi qui vais devoir me battre au corps à corps là. Poule. Oh mais c'est quoi le temps de réaction que le jeu nous laisse hein. Merde, j'ai d'ailleurs. Oh, je me suis pris une mandale. Je suis mort. Ah non. D'ailleurs, c'est peut-être un peu violent là. Ah oh, mais j'essaie d'anticiper. C'est quoi ça, mec? Ah, je sais, j'ai pas besoin de. Il l'a raté. C'est vraiment un jeu incroyable. Oh, tu fais quoi, Jean-Emile? Ah bah elle est là-bas. Keep turning, it's working. That's what she said. Bah non. Elena. Pas... Les bruits sont un peu pétés par contre, c'est chiant. J'entends des bruits à côté de moi, mais il n'y a rien à côté de moi. Ah, c'était peut-être ça qui faisait les bruits. Okay. Tu crois que je fais quoi? Excuse-moi le jeu d'avoir un peu anticipé des mécaniques de gameplay évidentes. Alors. Je vais encore crever. Quoi? YOLO! T'as le style ou tu l'as pas? C'est quoi ce délire? What? Ok, c'est trop chelou la visée. Bon. Quelle tuile! True. Well, what the hell else are we gonna do? C'est exactement ça. Qui se fait attaquer? Ah bah c'est moi. Oh mais arrêtez de me cracher dessus monsieur. Hein. C'est très désagréable. Yes. Burn, baby, burn. Ah, bah génial. Oh bah attendez, j'arrive. YOLO. Je crois que c'est ça le pire dans le jeu, c'est qu'il y a des moments un peu stylés quand même. Hein.
Je vois... Quoi ? Ah mais putain, il y avait Jean-Michel là ! Bah oui, mais non, je vais crever, hein. Il va me rattaquer et je suis mort. Hein. Non mais tu peux pas venir, on n'est pas accessible l'un à l'autre. Il y a d'autres qui arrivent encore. Mais je les entends tomber à côté de moi, mais je les... Non mais... Pourquoi tu me rappelles des choses désagréables comme ça? C'est une blague. Incroyable ce sauvetage. Looks like we're finally making it out of here. Come on, let's keep moving. I'm sick of these catacombs. Et là, on met une porte avec des manivelles. Et quand ils vont essayer de prendre la porte avec les manivelles, ils vont tomber dans le trou. Ça me paraît évident. Bon après c'est stylé hein, on va pas se mentir. Attends, mais ils avaient pas dit qu'il y avait... Ah ! Quoi ? En fait, c'est marrant de trouver dans des grottes comme ça un prototype d'arme russe. Tout va bien. Oh oui ! Ah non. Bon, c'est pas assez efficace aussi, hein. YOLO! Qu'il est badass, cet homme-là. Oh oui, 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 oui! Oh, mais... C'est à double tranchant. Je brûle! Donne-moi en deux. Quoi? Je crois qu'il n'y a que pendant les boss qu'elle en donne deux, en fait. Quoi, je peux pas prendre l'arme? Attends, mais... Pourquoi? Genre les munitions prennent vraiment une place dans l'inventaire? Ah bon? Attends, il va falloir que je fasse de la gestion d'inventaire dans une scène avec des ennemis invincibles. Illimité, c'est génial. Déjà ça tu dégages. Ah mais c'est mes deux orbes rouges qui font chier. La 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 vida la la di 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 la di di la vida la di la la na 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 pa la 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 la. Je vais encore l'avoir en tête hein, je te remercie pas. Dito hein, on arrête. Mais...
I promise you, we're not gonna let Simmons get away with all this. Good. I won't rest until he's paid for what he did to Deborah. Il va falloir que tu m'aides là en fait, Jean-Michel. Et du coup, on en a deux ce dimanche là, c'est pas si mal. Hein. Parce que finalement, on partirait pas en fuyant comme des lâches. Je crois qu'à un moment, il va y avoir une autre meuf avec des pustules de partout. Là. Oh putain. On dirait moi quand je fais de la marche. Elle l'a buté. Elle l'a buté, elle est trop forte. Sauf que là c'est le moment gênant. La bida ta la li 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 la. Oh, en fait non, c'est tout simplement le boss du premier niveau. Je suis mort parce qu'on m'a percé les oreilles. On m'a percé les tympans. Ce qui me bute, c'est que Elena l'a tué, hein, le gros. Hein. Ah bah du coup, je suis full life. Et le jeu est vraiment... Ouais. C'est un peu ça. Alors tu dégages avec ta dynamite. Ah, raté. Enculé. Il a même pas pu traverser. En même temps, le snipe est tellement bien dans le jeu. Oh merde! Non mais c'est une blague, j'ai pas réussi à tirer une seule balle dans les explosifs quoi. La 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 la, bidaf na la. Oh. Oh, en fait c'est juste un ennemi commun, ok. Oh non. C'est toujours le même qui doit rester au même endroit et survivre pendant que l'autre a juste à esquiver. Ah bah tiens. Mauvais réflexe. Oh quoi que... Oh quel... Quelle chance madame. T'inquiète. Non mais là par contre tu t'avais pas attrapé hein. Adieu! Au revoir, Shoshana!
Ah, ça, j'ai quand même un peu ce côté-là. Oh merde. Enough already. Shut the hell up. Oh, ce tir. What a shot. Ah, c'est vrai que oui, en mourant là, cette cape. Non mais. These guys never go down easy. That's what she said. Attendez. I need some help here. Oh, c'est vrai que moi je suis parfaitement à l'aise. Non, mais par contre, va vraiment falloir que tu. Il a une dynamite. Oh, mais je fais des tirs dans les points faibles. Le pire, c'est qu'elle va même pas récupérer les points qu'on gagne à tuer ces mobs. Hein. Ce serait trop gentil, ça. Allez, 15 balles de rap, je vais les garder, hein, tu m'excuseras. Ça sera pistolet et c'est tout. Oh bah. Qui est là? Merci, j'ai besoin d'une cinématique pour ça en fait. Oh, un rocher! Yes! On fait comme avec Chris. On défonce le rocher. Non? Vas-y, on met pas des patates. Moi je veux mettre des patates. Défoncer le rocher. Je déchaînais! Hop là! Lol, je sais pas pourquoi j'ai tiré sur, aucune depuis le début, mais celle-ci, c'était un peu loin, c'était rigolo. Non mais par contre, à un moment, va falloir être autonome, hein. Oh merde, attends, non, oh, oh le con. Attends, j'arrive. Tu es une femme forte et indépendante. Ah mais tu te relèves toute seule. Oui, d'accord. Oh, elle est juste à côté de l'explosif, et bam. Ok. Je crois que ça l'avait tué en fait. J'ai un peu peur. Allez en manivelle. C'est pas Roger, mon prénom c'est Léon. Non mais vous vous rendez compte qu'il y a 20 chapitres et on passe une heure par chapitre, ça me déprime. Non mais ça par contre, faire apparaître juste à côté de nous les mecs à la dynamite, merci mais non merci quoi. You got it. Yes, I got it. Tadam, tadam. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on court. J'aime bien, il dit Elena run, mais c'est lui qui est en retard. Hein. Mais il faut ignorer les gens là. Bonjour, enchanté de faire votre connaissance. Oula, oula. Cette OST de grande qualité. Non, lâche-moi. Merde, j'ai pas appuyé sur R2 au bon moment. C'est pas grave, le jeu me l'a validé, on sait pas pourquoi. Mais poussez-vous. Le massacre des morts vivants. Ah, j'ai tué 500 mecs, ok. Ah, bravo.
C'est terrible ce qui se passe. C'est terrible. Non mais Chris n'a pas le monopole des rochers. Toi, moi, le clair de lune. Allez! C'est quoi déjà la phrase de Batman? Le diable au clair de lune, mais je sais plus ce qu'il dit avant. Bon appétit! Oui. Mais lâchez-moi, madame! Est-ce qu'on peut frapper quelqu'un sous l'eau? Oh, il y a quand même des petits effets d'ambiance sympas. Mais bon. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Lâchez-moi, c'est gênant. Lâchez-moi. Bonjour, lâchez-moi. Elena, on va crever, c'est pas grave. On a qu'une vie, hein. Ta-da. 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 Je sais même pas si c'est ça la musique. Oh mais il est trop stylé, c'est Neptune en fait. Bon par contre t'aurais dû crever au moment où il t'a chopé, mais c'est pas grave Elena. Tu es toi aussi faite en scénarium. Ah, c'est des QTE. Non mais là, t'as plus de jambes, hein. En plus, lui, il est un peu nul. Il a qu'à te taper contre les murs de poussière. Et t'es morte, quoi. La vitesse à laquelle on va... Bah tu sors d'où? Careful, that thing's still around here. Okay, I'll find a place to climb up.
Helena, you do something about these. Non mais là tu peux carrément passer mec hein. I can try. Par contre c'est genre clairement ici, là il peut passer hein. Ah bah oui, d'accord. En fait tu pouvais aller nager sous l'eau carrément, c'était. Oh non, le voilà. Ah merde. Tire dans la grosse boule. Tire dans la grosse boule jaune. Tire dans la grosse boule jaune. Mais qu'est-ce que... Mais s'arrête de bouger ce con. Mais s'arrête de bouger ce con, mais quel connard. Ah, d'accord. Vite. Non mais j'y crois pas. Attendez, il y a un bug. Je suis à la fois attrapé par le zombie et capable de me déplacer. Ah oui, mais là il a pas l'air motivé à bouger. Léon. Oh, bah, elle est trop forte en fait. Non parce que c'est... Oh, en vrai j'y vais mollo hein, sur les QTE. Après elle est sous garantie la manette hein, donc... Tant que j'essaye pas de réparer quoi que ce soit moi-même, au cas où je l'abîme, c'est plus coquet. Il y a tellement de munitions à faire ça, c'est incroyable. Oh, je suis full mun. Non mais en vrai, on a vraiment pas beaucoup de place, hein. Bon bah tant pis. J'aimerais bien finir la campagne de Léon ce soir, mais en même temps, pas vraiment. Roger. Et mon nom, c'est pas Roger. Qu'est-ce qu'il fait? Très bizarre là. Très bizarre la chute. On se demande d'où tombent les tonneaux. Excellent esquive ça mon petit Léon. Oh là là, c'était incroyable. Nobody knew her name. Na-na-na-na-na, just the same. The dark of the dark. L'arrivée, personne n'aura la rêve, à part les gens qui ont fait Control. Control, qui est le meilleur jeu de Alan Wake depuis... Ah, j'ai fini le chapitre, nickel. Ah, mais ils ont... C'est un deuxième Raccoon City, littéralement. Control, que j'ai... qui est le deuxième meilleur jeu de Remedy après Max Payne 1 et 2, mais Max Payne 1 et 2, je les mets ensemble, quoi. Ils sont tellement parfaits. Faites pas gaffe, hein, j'ai un problème à la main, faut que je mette de la crème. Thank God you're still alive. Where's Simmons? After speaking with you, he left in a hurry. Shit. Where did he go? As he was leaving, he was talking to someone on the phone. He didn't sound too happy.
Any way we can find out where he went? Parce que c'est un personnage féminin de Resident Evil. China. China number one, China. Après, je veux dire, un décolleté qui est tout à fait respectable, hein, clairement. The BSAA confirmed it was the same one used in Eastern Europe 6 months ago, called the C-Virus. C-Virus? We saw cocoons just like that here. We need to stop Simmons and take him into custody right away. We have no evidence. And right now, you two are on the top of their list of suspects. No. Listen, Hunnigan. I need you to fake our deaths. Can you do that? What? Of course. But they'll figure it out eventually. What are you going to do? We're going to China. China! China number one! China! Operation Dragon! Oh, ce rang S. Ça me rappelle un peu la musique de Daredevil, ça. 24 000. Ça, c'est 28 000. Et premier secours, c'est genre 60 000, je crois. 95 000. Oh, oh pardon, excusez-moi. De quoi raciste? Tu connais pas, c'est que tu connais pas le même. C'est même de moments, parce qu'en fait, dans quand il jouait à Shenzhen à l'époque et qu'il tombait sur des Chinois, les Chinois quand ils le tuaient, ils disaient China, China number one. Non, elle se détache pas, mais j'ai de la peau qui sèche. En plus, c'est la gauche. Salut Best. I could have cleared your name. Maybe. But I wouldn't have stopped Simmons. Si, ça me dit un truc. Mais je suis pas sûr. C'est Evil Dead, non? Mais en vrai, la crème hydratante, ça marche bien. Elle se dégonfle. Hein. Ah putain, mais oui. Do you write F come gum off? Ok, ouais, c'est bon. En anglais, je l'avais pas, mais en français, je l'avais pas, mais en anglais, je pense que j'aurais peut-être. Elena. Ah, j'avais oublié ça. Alors, ce qui est chiant, c'est que je peux pas utiliser mon petit doigt pour tenir la manette là. Sinon, je vais la dégueuler. What? Oh. I totally forgot about that part. No thanks, bro. We have a problem. A big one. The pilot is mutated into the same kind of monster we saw back at the cathedral. What? Oh non, il va m'arracher la tête! Hold on, I'm looking something up. Oh, I dare you! I double dare you! Ah non, d'accord. Everyone calm down. Get in your seats and stay there.
C'est quoi cet avion? Ah oui, des munitions de pistolet dans un avion. Ouais, mais je les récupère pas. Alors, va falloir sacrifier un truc. Ça, ça casse les couilles, ça. En vrai, le son est grave pratique. Les grenades aussi, là. Ça fait chier, hein. Je peux pas, il n'y a pas de marchand dans le jeu. Là, je viens de libérer énormément de place, ça rend fou. Ah non, ça, je peux pas le stocker, ça. Ok. Wow. De la thune. Elena, bonjour. En fait, il a... c'est un peu comme les Pokémon Shiny. Non, c'est le 6. R7, il est bien. Il est excellent. Ah, belle rêve. Encore toi ? Shit, it's leaking that same gas. We have to get rid of it. We need to open the hatch. Ah. Ouais, il court vite, Théo. La seule mauvaise partie du set, plutôt. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? C'est explosif! Ah non, c'est du liquid nitrogen. Oh, il lui a quand même donné un coup de couteau, mais quel homme badass! C'est Shanghai? Ceci, c'est impossible! Ah non, en fait, je pensais qu'il fallait alterner, mais. T'as même pas besoin d'alterner R2, L2, hein, c'est. R2, R2, R2. Mais non, mais remonte là. Mais oui, bien sûr, rester debout, oui. Après, normalement, là, depuis le temps, ça devrait être dépressurisé, déjà. J'avoue. Et là, bizarrement, bah, tout le monde aura... Tout le monde aurait pris le... a pris le temps de se transformer en zombie, et ça... C'est... Oh, putain, par contre, j'avoue que là, il y a une ambiance. Hein. C'est vraiment ce que j'aime avec... Le jeu est pas bon. Mais avec Léon, il y a vraiment une ambiance, par contre. Et là-dessus, je trouve plutôt... plutôt pas mal en vrai. Bon, je voulais pas faire ce move ultra badass, mais le résultat est pas dégueu. Ça, par contre, c'est pas badass. Mais non. On n'est pas en retard, on est juste pas assez en avance. Attendez. Sérieux? C'est quoi que j'ai dit qui était impossible?
note un peu haut du tout, mec, mais... Oh, mais vraiment, quel kiff! Pardon, hein. Ah oui, la porte arrière, oui. Non, mais... Parce que les bobines... En fait, il y a des trucs, tu vois, où... ça s'appelle la suspension consentie de la crédulité, un truc comme ça. Ou de l'incrédulité, plutôt. Et autant j'accepte dans l'univers de Resident Evil des zombies et des monstres qui arrivent à créer de la matière, autant des lois physiques telles que la gravité qui sont modifiées, c'est déjà plus... ça me perturbe plus, quoi. Même si en vrai, ça me dérange pas, hein, c'était pour la vanne, mais bon. Oh, dites, hein. En vrai, j'aime vraiment ce chapitre. Pour le coup, c'est peut-être celui que je préfère. Jusqu'à présent, c'est sûr que c'est celui que je préfère. Le premier aurait pu être pas mal si t'avais pas les 25 minutes de marcher dans le vide, marcher dans le vide. Non mais là, c'est bon, il faut juste te poser d'urgence. En plus, la tenue de Léon, je la trouve badass là, avec le fusil d'assaut. Non. Tout le chapitre 2 et 3, c'est juste de la merde. C'est trop long. En fait, le problème, bah justement, c'est... Même le... Merde. En fait, le problème, c'est que tout est trop long. Il gère pas assez le temps. Mais je veux que tu regardes là-haut. 900 pieds. Il y a un énorme problème technique. Genre, en vrai, toute la partie des souterrains, elle est beaucoup trop longue. Et c'est lassant, en fait. La ville, pareil. Si tout le monde pouvait le faire... Après, vu la sécurité qu'il y a à conduire un avion, je pense pas que c'est si compliqué que ça, à piloter un avion. Enfin, je veux dire, si les avions seraient compliqués à piloter, on n'aurait pas deux crashs dans l'année, quoi. Ouais. Mais attendez! Non, mais c'est une blague! On peut pas perdre 900 pieds comme ça! Même si 900 pieds, c'est pas haut du tout, quand même, les gars. Soyez un peu réalistes. Quoi? Oh, putain... Pourtant, j'ai vraiment appuyé vite sur carré. Je vais pas défoncer ma manette non plus, mais... S'ils veulent qu'on défonce la manette, on va défoncer la manette, hein. On va défoncer la manette. Mais... Oh mais là par contre si elle est nulle, moi tu veux que je fasse quoi Par contre c'est pas du tout l'accélérateur ça. Un jour normal à Kowloon. Genre ça n'a aucun sens. Léon fait « Hey, je suis en train de me cracher mais j'ai eu le temps de voir Ada sur un métro quand même. » Bon par contre, Ada a clairement le temps de voir l'avion, ça je dis pas le contraire. Bon on va affronter le Uwas Tank. Then I'm the perfect person. Je me suis encore abonné à un truc, moi. Je m'abonne beaucoup trop à des trucs sur Twitch. Hein. Ah non, mais si, c'est bon. Mais comment elle peut le reconnaître? I need to know. Jake!
Ah bah désolé, hein, c'est mercredi soir. Your orders were to avoid contact with anyone. Leon's not just anyone. He saved my life back in Raccoon City. Fair enough. Où passe Tank? Look out! Bah, mais vous inquiétez pas, Jake n'est pas très humain. En tant que fils de Wesker, il peut se permettre des trucs. Leon, the plane. Him again. Ta gueule. Pourquoi on peut pas avoir le pistolet de Jake? Enfin, je l'aurai quand je jouerai Jake, hein, mais... La môme, c'est chérie de Resident Evil 2. Elle doit avoir, ouais, c'est vrai qu'elle doit avoir une, un peu plus de 20 ans. Oh, elle doit avoir 25 ans. Non, 20 ans. Non, elle doit avoir 20 ans en fait. I'm not a perfect person. Et je me suis mis cette chanson dans la tête. Birkin, tout ça, c'est ça. Birkin, y a pas de S, mais oui. Je suis pas du tout en train de préparer le fight, hein. Calmez-vous. Hein. Donc, par contre, j'ai plus de balles de slime, donc on va arrêter de s'en servir. Ah oui, c'est vrai, c'est qu'on croise les équipes. Mais cette classe, ce air control pour... Exagère pas. Hein. Putain, les... Ah, ouais. Ah bah il y avait la clé sur le contact, ça tombe bien. Le démarreur est mort. Bah c'était quoi le problème? Eh si ça fait tuk 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 tuk, normalement ça marche hein. Enfin, il manque pas de la batterie quoi. Comment t'arriverais à réparer ce moteur en 2D? T'es trop fort. La prochaine fois que j'ai une panne, j'appuie sur carré au bon timing. Mets un petit peu de gaz. On n'a pas attendu le temps de chauffe, le diesel. Pas terrible. Hein. J'ai tout préparé ici, mec. Donc tu vas venir ici? Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, en plus, il est intelligent, il s'adapte, je crois, ouais. Carries around a spare.
Like I said, indestructible. I was hoping you were exaggerating. Afraid not. Doesn't mean we gotta make things easy for him. Bah, je sors d'où le snipe, hein. Ah, c'est le nôtre. Allez, faut que tu viennes, mec, je t'attends en fait. D'accord. Ah, mais si vraiment on l'a battu, je serais un peu deg, hein. Oh, il l'est, t'inquiète. Tandis que c'est le fils d'un monstre. Finnegan. Oh, you went dark after the plane went down. I linked in a minute ago, but you weren't picking me up. Listen, the building agent Birkin mentioned isn't far off. Just stick to your current route, okay? Got it. Thanks. I'm gonna pick you up. She was meeting Simmons in the Kuen Lung building. The first thing you're gonna need to do is cut through the outdoor market up ahead. This way. Ah ouais! C'est pas les monstres invulnérables, ça? Trouble. C'est quoi que je pouvais analyser? These poor people. The bolts on either side. Il y a une arnaque ici. Je pensais que c'était avec Chris, mais c'est avec Léon du coup. Three separate locks. Jesus. All right. Let's just figure out a way to open it. C'est beau la technologie, hein. Ah, un cochon. Lui, sa main droite, elle se détache. Ah, mais c'est les admins de. Il ressemble à un mix entre ceux de Révélation et les Régénérateurs. Adieu. Eh, hey, c'est la clé du hangar B, vous pensez qu'il y a la clé du hangar 18? Pam, 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 pam. Pam, pam. Je le mix. Non. Ah. Prends ton temps, mec, t'inquiète.
Pourquoi je peux pas... C'est chaud. Ok. Quoi, faut être deux pour une porte ? Attendez, je viens juste de me rendre compte d'un truc sur mon fusil d'assaut. C'est un fusil d'assaut Rassemblement National. C'est pas terrible ça. Hein. Bon, elle va vouloir le faire le saut là ou pas ? Non, mais c'est quoi ces conneries ? Ah, l'essorage est en route. T'inquiète, ça me rend plaisir. Par contre, je vois vraiment pas ce que je dois faire là, en fait. Ok, je comprends pas. Ah putain, une échelle là. Allez, YOLO. Non, fais pas ça. Please. Open it from your side. Hold on, I'll open it. Come on. C'est une blague. Ah, peut-être que je vais prendre enfin des dégâts. Non, même pas. Je crois qu'en fait, le coup de l'avoir dynamité et donc d'avoir tout pété, ça m'a bien aidé la vie. Ah, la pauvre, à la bonne porte, j'y crois pas. Bah oui, prends ton temps. C'est vraiment une séquence un peu nulle à chier. Ah, fait chier, il y avait une herbe verte. Mais bon. Eh, mais elle en a tué, hein, c'est ça le pire. Hein.
Et bah putain, quelle séquence de merde. Oh non, il va vouloir me mettre dans le mixeur. Eh mais moi aussi, hein, j'ai vu Kingsman 2. Salut Lucas. Qu'est-ce que quoi? Bon appétit, bien sûr. Let's hurry. We don't want to miss Simmons. Ada. Let's follow her. Ah, je crois que c'est le moment où on croise l'autre duo. Come on, let's get some answers. En fait, attendez, parce que je crois que je viens de me faire... Ouais, ok, fait chier. Je crois que je me suis fait à coup. Enfin, pas hacker, mais... apparemment, manga Dex... que j'utilisais pour lire des mangas... a été hacké cette nuit et je me suis reconnecté cette nuit. Yes. On est parti pour devoir trouver un nouveau mot de passe et je vais changer tous mes mots de passe. Bah après j'ai la double authentification sur la plupart des sites importants, donc ça va mais. Shit, it's locked. Just find another way through. Ah, il y a la Fossada là-haut. Ah oui. Mais Léon, tu te fous de ma gueule? J'attendais une QTE, moi. D'accord. Ah oui, je peux faire une glissade en dessous. Hein. Mais par contre, le jeu est chiant à pas te faire sprinter quand t'appuies sur la touche. Mais vas-y là, j'étais bien. C'est quoi les MFA? Take the stairs. Ah oui, d'accord. J'ai en mode. Bah, je comprends pas, pourtant. C'est quand même le truc qu'ils disent qu'il faut avoir qui est quand même pas mal, quoi. Oui, oui. What is this room? Don't know. I don't
Don't like the look of it. C'est vrai. Bah, c'est pour rapport au brut. Locked. Engaging locks. Testing for prototypes. Ada! Oh putain, c'est dans le jeu ça. C'est drôle parce que là en fait on se fait la guerre avec Chris et on se renvoie les trucs dans la gueule. Leon, Helena, come in. I'm trying to get the lock open for you, but the security's pretty tight. I'll keep trying to hack it, but see if you can bypass it manually. You run interference. I'll work with Hunnigan to override the security. Par contre, en vrai, c'était en ligne, je sais pas si c'est d'autres joueurs en face. Security breach detected. Ça va et toi? Security breach detected in room 0. Ah, ils ont... Security breach detected in room 0. You're doing well. You're halfway there. En vrai, cette séquence, elle est drôle. Le concept est cool. Mais je sais pas, si... franchement, si on coop en face et d'autres joueurs, c'est vraiment... C'est vraiment top en vrai. Security breach detected in room 1. Security breach detected in room 0. J'aime trop ce fusil d'assaut. Security breach detected in room 1. En vrai, c'est une arme que j'aime bien. Pas en vrai, je dirais, parce que j'en ai jamais dans les mains, mais. Security breach detected. C'est une arme hyper rare, mais. Pas cool, tant mieux. Donc du coup j'ai perdu du temps parce que j'ai pas eu l'ascenseur. Par contre j'ai fini premier donc j'ai ça. Ok. Ah ouais? Putain, mais en vrai le jeu, c'est honnêtement je sais pas ce qui va pas dans le jeu parce qu'il a vraiment plein de bonnes idées. Mais c'est son rythme qui est pas bon quoi. Le gameplay est vraiment bon pour le coup. Mais les ennemis sont trop résistants, le rythme est pas bon. Ada, stop! We have to talk! So, not in a talking mood. That's been fun. Ada! Non mais ouais, elle fait même plus un décolleté qu'elle a. Cette course est incroyable. Alors ça par contre oui, c'est vrai que c'est... Complètement. Oui oui, il est beaucoup trop long. C'est Mikasa. Je reconnais cette scène parce que c'est la scène du truc le plus craqué du jeu. Mais Léon est trop con. Hein. Double braquage avec ce plan. Chris? Leon? What are you doing here? Put your gun down, Chris. She's a key witness. We need her. A witness? She's the one who did all this! No, it
wasn't her, it was Simmons, the National Security Advisor. I lost all my men because of her! And I lost over 70,000 people, including the President because of Simmons. Genre, il n'y a qu'un seul président dans le monde. She's working for New Umbrella, you know what that means? Yeah, I do. And you're still going to protect this woman? I am. J'aime tellement pas le flingue de Léon. Captain ! C'est le premier jeu où on la voit, où on les voit ensemble. C'est le seul d'ailleurs. C'est quoi déjà la phrase que Wesker il dit à Chris dans l'intro de 1 ? Chris, get down ! Non, c'est pas get down. Come on. Let's find Simmons. Chris. Ah, moi je crois que c'est la seule scène où on croise Chris. Hein. Peut-être Chris, get down. On the money, Simmons should be just up ahead. Be careful. Hunnigan out. It's up to you now, Chris. Ah bah c'est... Non, c'est pas Chris Cummins. Ah, je sais plus. Chris, careful! Non, je sais plus. Je sais plus du tout. Our target is Simmons. Always has been. You don't regret not following. Not a neuro. Never. We'll have to worry about never will be. Non, c'est never was, never right will be. Now we need to focus on Simmons. Au niveau... Right. Ah oui. Let's go get this, son of cet inventaire de munitions. C'est abusé que les munitions de fils d'assaut, tu peux les avoir que par 60. Est-ce qu'on va... C'est pas le moment où on se tape l'intro du jeu, là. Après Léon, c'est la campagne la plus grande, hein, donc j'aimerais bien finir celle-là, attaquer celle de Chris, ça serait pas mal. Mais celle-ci, déjà, est-ce que je vais réussir à la finir aujourd'hui? C'est même pas sûr. Kindly take these two into custody, won't you? They said you were involved in the terrorist attack. Is it true? Bah bien sûr, il va dire la vérité. Running down the street, screaming it to anyone who listen? Answer me! It's for the benefit of the United States and global security. You can't see how killing the president is good for the country! The president's dead? Well, we have Leon to thank for that. God damn you, Simmons! Le mec a balancé direct. Hein. Il a direct dit, non, non, mais... Putain, mais Jake, quel homme. Hold your fire. Those two are still of use to us. You need to be more careful. All right, all right. So what's the plan, hero? You think you can make it to that door? Why don't we just waste them? We
because I need you to take care of Sherry. Can we wrap this up? I do have better things to do. What are you two gonna do? Finish Simmons. There's information on here that could stop the C-virus. Simmons wants it. Thanks. I'll put a call into FOS, get you some protection. Now move! Alert the men outside. Ah putain, j'avais complètement oublié ça. J'ai complètement oublié ça. Dans ma tête, c'était vraiment genre... volontairement que il se transformait. Oh putain, ça va être la scène du T-Rex, là. Je pensais que c'était dans le chapitre 5. J'ai un peu perdu le déroulement de Léon. Je rappelle qu'il y avait Ada sur le métro tout à l'heure. Bon, c'était pas le même, hein, évidemment. Mais il y a... Là, c'est le lion. Ah, le T-Rex, c'est quand t'es dans l'arène, ok. Le bâtiment en construction qu'on a vu, là. Lui, d'ailleurs. We're coming for you, Simmons. Time to pay for everything you've done. Roger. Mais c'est pas Roger mon nom. Quoi? Mais quelle force titanesque. Tu peux pas soulever un être humain comme ça en vrai, hein, adulte. Be happy. You're just becoming the monster you always were. You and everyone else on the planet. Give it up, Simmons! We've got you. You still chase me while that woman is on the loose? What woman? That traitor, Ada Wong. Who knows what she's got in store? Another team was sent after her. You, Simmons? You're all ours. Are you here to avenge the President? Is that it? You fool. Had he disclosed the truth behind Raccoon City, the US would have lost all its authority, and the global political order would have collapsed. So to avoid one possible disaster, you create another? No matter how many people die? He had to be stopped! He was leading my country and this world into complete... chaos. Ah! That woman... how dare she do this to me? C'est Vort de la vallée boréale. On n'y est pour rien, mec, hein. J'essaie de rendre ça un peu trop dramatique, excusez-moi. Comme ça, je libère une place dans l'inventaire.
Donde está? Donde está el tigre? Damn, it's locked. Oh, ok. Hop! C'est comme ça qu'on le baisse, le tigre. Oh, j'y crois pas, j'ai une... le shotgun, ouais. Get over here! That's what she said. Oh, j'avais oublié l'histoire de la mouche. Hit the floor, bitch! Elle est là, tu es devant. Hein. Eat the floor, you little brat. Oh non 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 non, not like this. Oh, bah, oh yes, excellent choix. Tiens, Elena, j'ai un deal pour toi, tu vas kiffer. Bon, j'ai un tout plus de balles. On va peut-être sortir le pistolet qui a énormément de munitions en stock. Bien sûr. Démerde-toi. Attends, j'arrive. Allez, on va participer tous les deux parce que toute seule, t'es un peu nul. Hein. L'effet est assez stylé en vrai. Elena, are you all right? Did we kill him? Je sais pas, mais avant de changer de train, merde, j'aurais bien pris les munitions. Hein. Putain, mais heureusement qu'il y avait un train, sinon j'étais mort. Hein. C'est quoi ça comme animal? Comment ça, descend du train? Je peux pas, hein. S'il s'arrête pas, je peux pas, hein. Oh là là. En vrai, si, le chapitre-là est vraiment bien aussi, hein. En vrai, il est... le jeu est, est nul sans appel. C'est très particulier, hein. Il y a vraiment des séquences qui sont juste bien. Par contre, l'hélicoptère... Ah, mais t'es un cheval, en fait. D'accord. À couvert. Non, c'est pas couvert ça. Pourquoi tu dis des méchancetés comme ça? On n'est pas méchants avec toi, nous, hein. Mets-toi à couvert, hein, allez. Elle est trop bien, ce mitraillette. Hein. Ok, ça c'est... On va pas se mentir, c'est un peu kiffant à faire. Ah mais, ta tête, elle est là. Bon app. Ah non, il s'emballe, il s'emballe.
Merde. La balle, elle est partie. Oh la chatte. Petit souci d'ego quand même, hein. En vrai, c'est stylé, on voit ses poumons, sa cage thoracique et tout. What? Mais what? Mais c'est trop stylé, pardon. Excusez-moi. Ah, les balles pour... Voilà. Évidemment, le boss qui meurt une balle dans la tête dans la cinématique. Mais la balle qui repousse la... Ah, en vrai, c'est stylé. C'est tellement risqué de faire ça. Tu tapes un câble, t'es coupé en deux. Mais bon, ça, évidemment, le jeu s'en fout. C'est pas le moment avec la pagode. En vrai, si c'est le moment avec la pagode, je me souviens quasiment de rien des autres campagnes, en fait. Did we finish it? I don't know. But we did what we could. Ah, il arrive à gémir en parlant, et ça c'est beau quand même. Grand homme, hein. Hey, you! Stay in the line! Oula. C'est pas la zone de fin du jeu, le bâtiment en face de nous là? C'est pas aussi le seul endroit dans le, tous les Resident Evil qui se passe dans une zone réelle. Je suis en train de me dire. Jusqu'à preuve du contraire, Shanghai ça existe vraiment. Oh, je me souviens de ce qui se passe après. C'est la Millennium Tower. Check and see if the BSAA has any units near the oil field. Voilà, c'est ça dont je me souvenais. What is that? Okay, I've got a Chris Redfield on the line, patching it through to his aircraft. Chris Redfield? Leon, Leon, where are you? Chris, we're just outside of Tachi. Why? Get the hell out of there! Oh, vas-y, en vrai, j'ai les chills, hein. Petit côté Gotham là, avec la musique. Cette scène elle est vraiment trop bien. C'est pas tant un nanar, moi je suis désolé. Hein. En vrai, il... pour moi ses défauts c'est pas son scénario.
Et sa mise en scène, elle est bien. Pour moi, ses défauts, c'est juste niveau gameplay, hein, game design. C'est que t'as pas envie d'y jouer, quoi. Mais là, je passe un bon moment hein, sur les parties... Depuis que j'ai fini chapitre 3... après, c'est nanar... c'est un jeu vidéo, quoi. C'est-à-dire que les jeux vidéo, à part au début des années 2010, il y a aucun jeu qui a été serious business. N'importe quel jeu, tu les sors tel quel en film, c'est des nanas. Hein. Avant, des jeux comme, The Last of Us. Mais même MGS, c'est un putain de nanar. Même MGS, tu le sors tel quel en film, c'est un nanar. Hein. C'est over the top, les personnages sont tous des stéréotypes. Ça marche parce que c'est un jeu vidéo et que ça dure 20 heures, donc t'as le temps de développer des trucs. Mais... Ils sont dignes de nanar. Hein. 29... Oh non, ça dépasse. Je prends quoi en premier? Je vais prendre ça. Oh, ça coûte cher. Bah, c'est réputé hein, pour être... Quoi? Mais mec, pour le coup, que MGS c'est des nanars, je suis pas le seul à le dire. Hein. Ah oui, tu parles en général. Non, le jeu... Après, ouais, les FF, je connais pas assez, mais la plupart des jeux ont quand même des scénarios un peu nanars. Hein. FF10, c'est pas nanar. Mais bon, la grande majorité de jeux vidéo, j'ai pas dit tous. Genre, les GTA, c'est des nanars à part le 4. Et le 4, c'est quand ils ont commencé à faire du serious. Vice City, c'est LE nanar ultime. C'est un nanar... Y'a tout qui est over the top dans Vice City. Non mais attends, c'est excellent. Le... J'aime tellement cette émoticône. En fait, le truc, c'est que après. Mais non, c'est faux. C'est la Ada bleue qui est morte. En fait, après, il y a nanar et nanar aussi. C'est moi qui ai peut-être la mauvaise définition de nanar après tout. En fait, je pars du. Si on part du principe que tous les Resident Evil sont des nanars, la plupart des jeux sont des nanars. Après, moi, j'ai pas la notion du nanar, donc c'est pour ça que ça m'étonne un peu comme ton take de base, quoi. Parce que moi, j'aime pas les nanars de base. Je crois qu'il y a la séquence où on traverse la ville à voiture, là, qui est assez stylée. Parce que moi, le seul nanar que j'ai vu, que j'ai kiffé, c'est Commando, quoi. Et Commando, mais dans du nanar... En fait, c'est plus de l'actionneur que du nanar, en fait. Est-ce que tous les actionneurs sont des nanars, je sais pas. All right, come on. This way. Don't go near the gas. Don't worry, I won't. We're taking a detour to the quad tower. Roger. Shoot! Over here. Okay, what's it like out there? All I can see is a shitstorm. I don't think that's the half of it. We're on our way back to the quad tower to check on the evacuees. Y'a un truc qui me fait trop rire dans le jeu. C'est que Léon affronte des zombies. Mais Chris et Jack affrontent d'autres choses. Mais eux ils affrontent la même chose, y'a que Léon qui a le droit d'avoir des zombies quoi. Tout le reste ils affrontent les nouveaux Plagas. Tu l'ouvres ta porte? Ouais, mais il y a Emile ici présent qui ne sait pas ouvrir une porte. Pourquoi je l'appelais Emile? J'en ai aucune idée. Ça va m'attendre. Ça d'ailleurs, Nier. En vrai, le remake de Nier. Il sort quand? Le 20 et quelques avril?
Bon, après, moi, c'est pas grave qu'on soit avec... Okay. Je préfère avoir une version propre de Nier. Ah, putain, mais Judgment P5... Ouais, mais le Judgment, je le ferai après Yakuza, moi, donc j'ai le temps. Très bon sacrifice, mec. On adore. Good luck. Voilà, c'est ça, c'est le passage en voiture, c'est assez drôle. Right. Hang on. Je suis très chaud, moi, pour Nier, mais est-ce que je le ferai en stream? Je sais pas. Breaking the law... Breaking the world. HQ to Charlie. Change of plans. Entry to Tachi is prohibited. Retreat and wait for further orders. What? But Echo Team is still in there. They need us. Fall back. That's an order. We can't risk any more men in there. Damn it. Mais y a pas que... Mais tu veux pas le faire toi, Judgment? Moi j'ai envie de le faire juste parce que Dragon Engine. Et que je suis tombé amoureux de ce moteur de jeu, je sais pas pourquoi. C'est absurde, hein, mais... Ah, mais on a dit qu'il sortait en même temps que Nier Replicant. Ah, mais j'ai pas compris, le rageait bien, du coup. Si le rageait bien, ça faisait en mode, moi je vais pas faire le jeu, vous amusez-vous bien. Ouais, je sais. Mais il me plaît visuellement. Vous savez, Outer Wilds, il est pas fou graphiquement, mais je suis fan absolu. Hein. Alors la, que la DA est pas incroyable. Hein. Mais il me plaît vraiment. Quoi comme bullshit? C'est sûr que Jerry, en vrai, en termes de technique pure, je le mettrais même pas dans le top 5 des moteurs vraiment beaux. Genre comparé au Aero Engine. Ah, j'ai pas fait, j'ai jamais vu une seule image de Judgment. Enfin, si, une image, mais pas de gameplay, je veux dire. Et là, je crois que c'est l'intro. Mais non, mais tire pas sur des zombies random. En vrai, je sais pas. En vrai, est-ce que mon moteur que je trouve le plus beau, c'est peut-être celui de Rockstar. Hein. What? En fait, le truc qui fait chier avec Kiwami 2, c'est que je sais que je suis au pinacle technologique et technique de Yakuza avec Kiryu en main, quoi. Parce que les deux seuls qui sont sortis après, c'est Judgment et 7. Oui, mais le 7, c'est un RPG tour par tour. Bah oui. Et Judgment, je sais pas, c'est un brawler. Après, si c'est un brawler, il ressemblera à Yakuza. Je sais que là, jusqu'à toute la partie Kiryu, ça va être énorme downgrade et upgrade jusqu'au 6, mais j'atteindrai jamais le Kiwami 2, quoi. Tu vois, elle est pas morte. Fin de chapitre. Ah non. Il y a pas mal de gens qui disent qu'il est quand même moins bien. Après, j'en sais rien, j'ai pas touché, c'était à propos de... Leon, Leon, do you hear me? Are you all right? I'll live, but I've got a feeling things are about to get worse. Bah, en même temps, franchement. Moi, je crois que c'est ce qui m'a le plus surpris avec les Yakuza. Hein. C'est que... Non, mais il y a moyen que je sois... En vrai, même le 3, enfin... J'ai l'impression quand même que la notion de... De sacrifice et tout, moi, c'est le truc que je kiffe trop. Et c'est quand même un petit peu au cœur des personnages de Yakuza. Quoi. Que ce soit Majima...
ou Kiryu, c'est pas les derniers quand il s'agit de se sacrifier. Ça se trouve, dans 2-3 ans, je ferai Kiwami 3. Mais en vrai, Kiwami 3, s'ils font un Kiwami 3, dans quelques années, ça pourrait être l'occasion de faire des Yakuza en stream. What? Merde. Donc si je pense qu'on a plus de chances d'avoir un remake de Kenzan avant... ou de Ishin, je sais pas lequel ils font le premier, mais... Parce que là, en vrai, je pense qu'on va tous se les taper, hein, maintenant, les Yaks. Hein. Ils vont tous nous les refaire. What? J'ai utilisé toutes mes balles de fusil d'assaut, sérieux? Ah ouais. Ah mais c'est... Apparemment il y avait une rumeur... Mais oui, moi je peux... Bah de toute façon il y a une interview récente... il a dit qu'il aimerait bien refaire les... les japonisants. Et du coup la question que je me pose c'est dans Kenzan et Ishin, tu te bats au poing ou tu te bats au sabre? De toute façon, en vrai, je pense que je vais le commencer... Les deux, enfin... Je pense que je vais le commencer demain, le 3... Oui, juste continue dans cette direction. Bah, ben, à mon avis, dans le plus récent... Enfin, si c'est dans le plus vieux, c'est aussi dans le plus récent, quoi. Le 3 ou Ishin? Je suis perdu. Ah oui, tu parles du 3 que j'attaque demain. Oui, oui, mais bah je sais bien, hein, mais à un moment il faut bien le faire. Hein. On peut pas le skipper quoi. What? Je me suis fait téléporter au sol. Oh. C'était sympa ce petit enchaînement de choses. Ah bah ça me donne envie du coup. Ça par contre... Ah oui c'est absurde mais bon là pour le coup... C'est moi où ils ont fait en sorte qu'on ait Lena au grand plan pour une raison particulièrement boubesque. C'est que tu te sacrifies pour nous là, gros. Je sais pas comment il est mort, mais il est mort. Mais elle le passe, un zombie. Bah ouais. Merde. Ouais.
Oh, 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 oh. Bon là j'ai peut-être un peu défoncé la manette. On a slidé l'hélicoptère contre un métro, il n'y a aucun souci. Ah yes, le T-Rex. Mais il y a vraiment des bonnes idées, hein, voilà, de mise en scène. You all right? Yeah. Oh putain, c'est incroyable. Ça c'est pareil dans les règles qui me font rire de Yakuza, c'est que Kiryu il a tout le temps des rivaux, mais il n'y a aucun des rivaux, c'est lui qui les a choisis. C'est... c'est une blague, est-ce que j'ai un truc que je peux jeter qui ne sert à rien? J'ai rien qui est jetable, ok. Tant pis, je me suis soigné pour rien. Cette séquence, elle me tue. Something doesn't feel right. Et un obélisque dans un dans le creux de bâtiment, ça n'a aucun sens. Moi, j'ai vraiment une vibe MGS4. J'ai pas osé le mettre sur Twitter en mode ils vont encore me dire que j'ai une take, mais j'ai une vibe MGS4, surtout en fait l'intro du combat et la fin, genre. Oh bah quel hasard! Back for more. I know what you did, Beta. You disobeyed me. You took C'est possible, hein. C'est vrai qu'il est dans Naruto aussi. Use that bastard's blood to make the virus stronger. Hope you got friends on the other side. No one's gonna miss you here. J'ai toujours pas vu le cowboy. Est-ce que c'est pas stylé? On va chercher celle. En vrai, si on pouvait prendre la forme qu'on voudrait, est-ce qu'un T-Rex ça serait pas quand même? Il me rate pas, hein.
Parce que quoi? J'avais oublié ça. Ah, il n'y a pas d'indicateur de surchauffe, c'est un peu nul. Il a du délire ce boss quand même. Ta mère, toi. Je suis en train de me faire niaquer, ouais. Tu veux pas te ramener près d'un bidon, là? Genre ce bidon-là. C'est intéressant, hein. Tabasse, mec! Oh là là, cette violence! Nous, dans Little Kingdom! Voilà. Donc, Ask. Come to me, bro! Comment ça, ça explose pas? Quoi? Apparemment. J'ai su qu'on puisse pas le faire exploser, ça, j'ai gaspillé beaucoup trop de munitions. Damn you.
Ah! Il était scripté. Il va falloir que je trouve le temps de faire Persona 5 Striker aussi. Probablement cet été. Je sais pas, je verrai. Tout dépend. Après, il y a tellement pas de sortie de jeu cette année. Que... Là, c'est qu'il est sorti au timing où j'étais dans les Yakuza. Quoi. T'as tous les bâtiments en train d'exploser et nous, on fait quoi? On monte dans un bâtiment. C'est la seule qui n'a jamais... Pire situation. J'avais peur qu'il y avait un... Qui est un... Comment ça s'appelle? Un QTE pendant mon éternuement, ça aurait été terrible. Hein. Oh, deux shots en une balle à cette distance. Magnifique. Moi dessus, hein, Elena, t'inquiète, hein, je dirais rien. Ouais. Ouh. C'est ma meuf. Come on, pas mal ce... En vrai, bonjour.
Ça me fait chier. Hein. Ça me ferait chier que la conclusion que j'ai sur le jeu, c'est « Ah, oh, finalement, il est pas si mal !» Mais quel énorme sacrifice. Et puis finalement, on va faire Chris et Sherry. Enfin, Chris et Sherry. Et je vais me dire, non, en vrai, ça me fait de la merde. Oh, ça, c'était ultra stylé. Elle tire sur qui, elle? Quand c'est une blague. Et... Il en a tellement rien à foutre. C'est honteux, monsieur, vous en avez rien à foutre. Ouais, c'est tout bas. Merde, on sait qu'il s'était retransformé en, en humain, en fait. Massacre. Mais oui, c'est trop bien. L'amour vaincra. C'est stylé de faire ça en vrai. Ben, bonjour. Double bonjour. Voilà. Il est un peu trop riche en attaque quoi. Ah, ça avait scripté ça. Non mais transforme-toi en monstre et harponne-moi. Oui, pourquoi pas. J'ai deux pieds. Hein. Et Simmons. Elle lui a planté quoi? It burns the fury. Gift on the roof. See you down the road, Leon. Damn. Elle est trop bien. Perso de ouf, Ada. What are you waiting for? Go after her. Oupsie, j'espère que j'ai rien fait.
We're sticking together. Elena aussi est bien. Léon, il les a toutes, hein. Il lui faut toutes. Hein. Bon, j'ai utilisé beaucoup trop de munitions. Clairement, c'est une arène, ça. Hein. C'est ça, son cadeau ? Thanks, but no thanks. There's our ticket out of here. If we can get to it. J'ai trop balles de shotgun, mais c'est clairement pas un combat de boss que j'ai envie de faire au shotgun en fait. Ah, mais il leur donne faim. Bon app. Mais qui croit être mangé va être mangé, hein. Je préfère vous prévenir. Hein. Non. D'assaut, Rassemblement National, il me bute, hein. Le fait que ce soit RN, ça me bute vraiment. Petite munition de Magnum, on dit pas non, hein. Le jeu est généreux là-haut. Oh, il y a une arnaque là, ça sent l'arnaque. Up you go. Ah oui, la mouche à merde. Oh bah, putain, quelle chance. Ice Bucket Challenge? Ah, contre ton boss. J'avoue. Pourquoi? Parce que tout l'argent sera redonné à la recherche contre la... contre la merde. La sclérose... Mais dites pas! Mais dites pas!
Ah. J'ai un peu de trop de munitions. Alors en vrai, je suis désolé, hein, mais les zombies, les défoncer comme ça, c'est le kiff, quoi. Ah oui, c'est ce que tu m'avais dit, oui. Tu m'avais montré le scream. En vrai, avec le truc, tout se passe dans la tête de comment d'Ichiban, en fait, ça leur permet de faire grave de trucs cool. C'est pour ça que le 7, il m'intéresse de ouf. Hein. Pour le personnage, en fait, en même temps, Yakuza, c'est vraiment une série sans ces personnages, tout le monde s'en battrait un peu les couilles. En vrai, je fais le chapitre 1 de Chris avant la fin du stream, mais je pense que toi tu vas te coucher. Parce qu'il y a des gens qui travaillent. Ouah, la visée fait de la merde. D'accord, c'était étrange comme move, ça. Non. Elle est vraiment en train de grimper dessus? Mais quelle... Elle est badass. Oui, par contre, c'est vrai que j'ai des... Ah, c'est le 6. Oh, mais tu sais que là, tu m'as hypé de ouf, hein, Kid Shadow. C'est moi, le 6, c'est celui que j'attends le plus de faire, juste parce que j'attache Keshi Kitano. Mais si tu me dis que l'histoire est incroyable... J'en ai plus de ça. Cette poutrette est tellement puissante. Ouais, et je sais pas laquelle c'est, j'ai trois. Mais j'ai tellement à. En vrai, là j'ai fait. Je suis un break parce que vraiment, pour le coup. Ah oui, t'as pas bouffé le bon mec. Quand la foudre va tomber, tu vas pas. Voilà. J'ai besoin de faire un break parce que vraiment tu as mis deux, puis mes potes commençaient un peu. On a vraiment marre que je ne pas jouer à CS. Mais du coup là j'en profite pour faire un break. Mais... Thank you.
Hé hé, t'as encore bouffé le mauvais. Je l'ai peut-être mis un peu loin, lui. Ah non, il a encore bouffé le pas bon. Ça va être compliqué à mettre en... Et si ça marche, regarde, je te montre. Prends ça. Mais non, on perd pas notre temps. Qu'est-ce que je fais? Mais non, mais il y a les yeux qui sont... Bon, c'est pas grave. Faut que je plante un zombie avec ça. Tue les autres zombies. Merde, là. Là, il va bouffer le zombie. Pas comme ça, mais... Voilà. Oh, quel boss un peu pénible. Mais en vrai, qui est pas si dégueulasse. Voilà. Voilà, normalement, c'est scripté pour qu'il perde déjà le... Non, il est sérieux, ils le font pas perdre directement la tête. Ouais, c'est un peu relou. Oh oui, je lui ai envoyé direct dans la gueule. Tue pas les zombies, s'il te plaît. Vous voyez, il est mal au point ou pas? Non. Mais il est en train de... Il me fait une régalade là! Donc là, je plante le premier zombie venu. Ah non! Ah oui! Je m'attendais pas à ça. Mais Guts, il est fan de Sephiroth alors. Ah, je veux dire, voilà. Ah mais dites pas tout hein. Ah mais les gars, j'ai trop envie de voir hein. Head for the chopper. This floor is unstable. Déjà, comment on peut pas aimer Aruka? C'est un personnage incroyable, Aruka. Roc de la brise. Non, c'est Léon, mon nom. Ah mais j'ai la deux, enfin.
Oh shit! Lance-roquette. Ah oh, mais c'est bon. Ah vous avez pas le choix, c'est le lance-roquette du crop Resident Evil d'avoir un lance-roquette à la fin. C'est marrant parce que du coup, on s'en rendait pas compte. Mais en fait, c'était le symbole Umbrella par terre. Ah oui, non, ça fait pas Umbrella, mais une fois qu'il aura son sang, ça prend le symbole d'Umbrella, voilà, c'est ça. Et ça, c'est stylé quand même. Le mec qui est arrivé en réu un matin et qui a dit « Putain, les gars, si le sang du dernier boss, ça faisait le symbole d'Umbrella, ça serait pas stylé quand même ?» Et ils ont fait « Ok, on va faire un chapitre et un décor entier pour justifier ça. » Oh, c'est pas fini encore. All right, let's get out of here. Et j'espère que ça sera fini parce que bon. C'est le problème du jeu, c'est il sait pas gérer son temps. Bon, après là, je l'ai fait en quoi? Alors, quand même, hein, c'est presque 5h30. Hein. C'est un com poudrier? Comme dans... C'est un com poudrier comme dans Totally Spies. Leon, this is... Evidence that proves Simmons' guilt. Which means it will prove your innocence. Our innocence. I don't believe it. Lena. Elle s'appelle Ingrid Lanigan. Et est-ce qu'elle ne prendrait pas l'hélicoptère? Yes, première campagne finie, plus que 3. On peut pas zapper le signal. Ah, je suis peur. Octobre 92 et j'ai pas vu le 2013 21 ans c'est jeune hein. Enfin 20 ans et demi 27 juin oui. Thank you. Naruto. I assisted in the attack.
The Investigating Commission have reviewed the evidence and feel it unjust to hold you liable for Simmons' crime. They will also not be disclosing their findings to the public. But... The President would have done the same. Le président, il s'est pris une balle entre les deux yeux. La bastos! Il s'est pris la bastos dans la tête! All right. Shall we go join the team? Leon. For the next time you see her. Women. What? Mais putain, mais comment ça se fait que personne l'ait vu à Capcom? Comment ça se fait que personne l'ait vu? Ça me fascine. Hop, j'ai juste coupé la rediff et je mettrai une deuxième rediff pour le début de la campagne de Chris. Donc YouTube, je vous dis à la prochaine, salut !